avait un fleuve ici avant. Un fleuve qui coulait jusqu'à l'océan. Je n'ai jamais vu d'océan. Avez-vous déjà vu un océan, Jack? J'en suis plus très sûr, à vrai dire. Je vais mourir ici, de toute façon. C'est tout ce que je sais. Jack, mourir fait partie du cycle naturel de la vie humaine. Votre vie n'est qu'un intervalle de temps. Tu es la première unité, pas vrai? Tu es à l'origine de tout ça. Personne n'a rien fait. C'est arrivé, c'est tout. De la même façon que pour vous, les humains. On est apparus un jour. Et maintenant, c'est nous qui allons disparaître. Pourquoi avez-vous peur? Peut-être que votre heure est arrivée. Ouais. Aucune forme de vie ne peut habiter la planète éternellement. Regardez-moi. Je suis né des mains d'un être humain. J'ai été pensé par un cerveau humain. Votre temps perdurera avec nous. Votre existence se perpétuera à travers nous. De l'autre côté de ce canyon, les humains ont mené à bien des activités nucléaires. La vie organique ne sera plus possible là-bas pendant des millions d'années. Aucun humain ne pourra nous y accompagner. Mais avant de partir, il nous reste une chose à faire. Nous avons besoin de votre aide, Jack. Ouais. Quelle ironie. Vous étiez censé nous aider à survivre. Survivre ne sert à rien. C'est vivre qui importe. Il me faut une voiture.